Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a personne. Bon, ce soir, un petit Grey Hill incident. Jeu que je n'ai pas fait. J'ai vu qu'il était sorti il y a longtemps. Hein. Enfin, il y a longtemps, il y a un an. Là, je suis bien. J'ai pas mal aux yeux. Ouais, il était sorti un petit moment, mais il y a un petit moment, mais j'avais envie de le faire en ce mois d'octobre, en patientant jusqu'à la fin octobre, tranquillement. Bon, j'espère que ma manette fonctionne. Hop, je vais mettre l'audio du jeu. J'espère que le son est bon pour vous. Il me paraît peut-être un petit peu bas, je vais l'augmenter. Je vais checker le son. Le son a l'air d'être bon. Alors, je suis pressé de découvrir ce jeu. Alors, j'ai acheté le jeu, mais il y avait un truc assez spécial et je trouve plutôt sympa. Et je pense que je vais le mettre pour être un peu plus dans le délire Blair Witch. Enfin, found footage. C'est ce mode-là, quoi. Aspect vieille caméra d'enregistrement. Vieux caméscope à l'ancienne. Ça apporte quelque chose. Donc, je vais partir là-dessus. Alors. Ok. J'espère que ma manette fonctionne. Hein. Nouvelle partie. Je crois que ma manette ne fonctionne pas. Can you hear me? My husband said he spotted someone or something next to our car again. I know this sounds weird, but he said it looked like an alien. But they ran into the cornfields and disappeared. I'm going to call the police. Je vais baisser le son. Amy, don't. I don't trust the cops or the government, or anyone else for that matter. And you shouldn't Ah trust ouais, them c'est either. très très fort. We created our neighborhood watch for this exact reason. Brandon, I understand the situation, but this needs to stop. It's also absolutely irresponsible to send Ryan out tonight. Amy, don't tell the officials anything. Otherwise, we all end up in the nut house. Are you trying to tell them we think there's little green men running around? Gray, Brandon. They are gray. The only thing we can do in our situation is to board up our windows and doors. I'll try to rest a bit. But Amy, trust me, you don't want to end up in the psych ward. I've paid a high price to break free. The only way to escape was to... You've told your stupid story a thousand times. In Vietnam, we dealt with things worse than that almost every day. What does Vietnam have to do with it? Whatever. I always wear my tinfoil hat when I leave my camper van. I believe the aliens have the ability to control us through telepathic powers. I'm convinced that the hat protects me. Hey, guys. Henry's been acting strange since he came home from the forest this morning. I don't know what's going on with him. Ryan! Hey, my kitty cat's also behaving really strangely. And she hasn't come home yet. Please, look for her during your shift. I'm really lonely without her. Henry is more important right now. But if I find your cat, I'll let you know, Bob. All right. I'll reach out to the other neighbors. I'll tell them to board up all their stuff. The fact is, our government is hiding something from the people. Things like this just don't happen here in Grey Hill. It started with Roswell, and it's been increasing since the 60s. That
way it is. Are you and your bat ready for the night shift? Ryan Baker, the king of baseball. Yeah, Brandon. I am. Don't forget to visit us later, Ryan. We'll make some coffee for you. Ok, je vais baisser un petit peu le son. Yeah, sure. Ah si, la manette Thanks, fonctionne. Amy. Alors. Comme ça, ça devrait être bon. Lampe de poche à manivelle, Brandon. J'ai eu il y a 10 ans, je n'ai toujours pas compris. Moi aussi j'en ai eu un, j'ai jamais terminé. Ok. Henry, il est peut-être temps que tu ailles te coucher, hein. You should ask Rachel, that crazy girl. Henry, is someone in your room? Is Rachel in there? God, I hope not. She should stop bothering me. What's going on with you, Henry? Tell me. Je vais t'éteindre la télé. I'm going to your room, Henry. Stay here. Oh. Il y a eu un bruit dans la chambre, à ce que j'ai compris. Non? I shouldn't do that now. Pourquoi tu ne devrais pas faire ça maintenant? Someone was in your room. They went out the window. Attends, y'a un... Attends, y'a le chien qui aboie. Max is barking! Fuck this head. Qu'est-ce que t'as aboyé? Max, stop barking! Who's there? Is someone in the shed? C'est fermé, il y a un truc dans la... What the hell? Ah voilà. Faut appuyer plusieurs fois. Oh mais comment tu veux que j'aille là-haut? Il me faudrait peut-être une échelle, un truc, hein. Il faut que je trouve quelque chose pour casser la porte. Ok. Un truc pour casser la porte. Là, on peut pas grimper. Ok, on a une balle. Il y a peut-être un truc que je n'ai pas vu. Là, on n'a rien. Peut-être ça?
Non, c'est un peu abusé la fourche. Faudrait un pied de biche ou un truc comme ça pour rentrer. Je vais voir dans la maison s'il n'y a pas un outil. C'est le bazar, on n'a même pas un outil. C'est quoi ça, des planches? Ok. Je vais aller voir à l'étage si j'ai pas un outil qui traîne. Qui pourrait m'aider. Ouais, non. Bizarre. Et gamin, aide ton père. Ah, le bazar. Là, je peux pas aller là. C'est forcément dans le jardin. Hein. Il y a un outil dans le jardin. Je pense que c'est la corde. Je pense pas que ce soit la corde. Une chaise. Non. Ça, je peux pas bouger ça. Y a pas une hache ou... Je sais pas pourquoi je voudrais prendre la fourche en vérité. J'ai peut-être loupé un truc dans le jardin. On peut grimper? Non. Oh bordel! Un pied de biche! Voilà. C'est quoi ça? No, Max! Comment je sors de là? Qu'est-ce que c'est que ça? Max! Stay here! Max! Tu vas où ce chien? Il est parti où? Et on peut pas sauter. Ok, on va barricader alors. Je crois qu'il y a des planches depuis tout à l'heure ici. Dad, it wasn't Rachel, right? Yeah, he locked the door and ran out of the roof. It's okay, he's gone now. But there was a strange light. Look, the TV. It's working now. Good evening, ladies and gentlemen.
lunatics and conspiracy theorists claim to have seen a UFO. The minority tries to convince other people that the small green aliens are real. The government has checked into this incident and has announced that this un ballon météo, mon œil, just a weather balloon. This movement that you'll see in a few seconds is just a reflection on the lens of the camera. There is no reason to concern, and don't forget to be aware of the small green man in your backyard. Your Mr. Broker. Ouais, je barricade les fenêtres. That is not a weather balloon. They're lying. The government is lying and they're trying to hide it from us. Brandon was right. They're already in Greyhill. We can't talk about it to the police. They'll just lock us up in a psych ward. Dad, we need to get out of this cursed place. I hate this neighborhood hole. Ryan, are you there? I'll go talk to Brandon. On doit pas barricader les fenêtres, tout ça. Oh, le PC, il est dead. I shouldn't do that now. Ah ouais, on peut se cacher, d'accord. Je peux pas fermer la fenêtre là. C'est bizarre. Je peux pas sortir encore de la maison. J'avais vu des planches là, non? Bon, je crois que le fun footage, au bout d'un moment, il va sauter, hein. Alors, je vais fermer la porte. Je peux pas courir. Attends. Je pensais avoir pris la radio, mais non. Voilà. I'm here. Ryan, something is wrong with Joe Parson. Farmer, you know? He called me a few minutes ago. He was very afraid. Then the radio connection became broken off by something. He is working on the field near your house. You must check immediately what happened to him. Okay, I'll go check on him. By the way, someone was in Henry's room. They escaped out the window. I almost caught them in our shed. But there was a strange blue light. I'm sure they're here. Pull yourself together. Have you seen the TV news? No one will help us. We're all boarding up our windows currently. I know how to shoot because of the Vietnam War, and you can handle the baseball bat. We will overcome this night and drive to our holiday home by tomorrow. Don't forget how I shot your son's hat off while wearing it when I was drunk at the barbecue last summer. Brandon! Imagine how I can handle the gun when I'm sober. But leaving town tomorrow sounds like a good idea. Je peux pas sortir pour l'instant. Over and out. Oh, ça, y a une ambiance. On s'amuse. Ah, je peux me cacher. Attends, je vais prendre une hache. Joe Parson m'a vendu cette hache l'année dernière. Il a dit qu'elle pouvait couper du bois 3 fois plus vite. Je pense que c'était un bobard. D'accord.
Alors, il m'a dit d'aller dans le champ d'en face. Pour vérifier je ne sais quoi. Mais je vois pas d'endroit où je peux... Ah. D'accord. Ouais, je passe quoi? Tout va bien, les vaches elles sont au sol, elles dorment là. Il y a des interférences. Ah si, on peut courir. Comment je fais ? Je peux pas aller par là pour l'instant. C'est bizarre qu'on puisse pas éteindre le tracteur. Je vais aller voir, il y a une lumière là-bas. On peut pas l'éteindre. C'est quoi ça? Il a quoi sur la tête? C'est bizarre, hein. Attends, on va aller à la caravane. J'espère que je vais pouvoir y accéder. Dossier Bob Baker affirme avoir été enlevé par des extraterrestres gris lorsqu'il était enfant. Selon ses dires, ils ont fait des expériences sur lui et lui ont posé une sonde. Il a arraché par la suite. Les trois mots pour le décrire sont lunatique, fou et dangereux. Bob a volé ça à l'asile psychiatrique. D'accord. Comment tu fais pour rentrer là-dedans ?
je peux pas lâcher son chat. On m'a bien dit d'aller à la caravane, je suis pas fou. Ah. Wow. I thought that was you on my roof. Is this Kitty? My cat? Bah ouais. Yeah, I caught her out in the field near the tractor. Oh, what does she have on her head? Alors là, c'est la bonne question. No. It makes a strange noise. It sounds like electricity or something. Oh, and Bob, I had a strange encounter in my backyard. There was also some kind of weird electricity. I'll tell you about it later. Let's look at the cat first. On the table. I'll take a closer look. J'aimerais bien le poser sur la table, il veut pas. Et peut-être une autre table. It looks like an implant or some kind of probe. Ryan, I think they abducted Kitty and had experiments. By the way, non, pas encore. It's really dangerous in Greyhill these days. No, not yet. You should do it immediately. You need to wear a tinfoil hat. Your son Henry too. They go into your brains by telepathy. Also, don't forget, don't ever tell anything to the police. As Brandon said before, the government knows it. Now, take this preparation for your walkie-talkie. The tinfoil's on the kitchen desk. Bon. Comment je peux sortir maintenant? On peut pas sortir de sa foutue caravane. C'est pas possible. Je peux pas rentrer. Subwoofer réalisé par Kay Cameron. Ok. Vas-y, fais péter. Il y a une multitude de chapeaux en alu. Ok, j'ai une batte. C'est bien, j'ai une batte, mais... Papier d'aluminium. Ok. Ryan, please check the monitors. Huh? Fast! What the hell is this? Oh my god, Ryan. No. Something very bad is happening. Genre quoi? Wow. De zinzin. Ryan, they're here. Henry's alone at home. I have to go to him now. Yeah, but don't go home by the street. Go through the barn in front of my caravan. I've got a camera. I'm gonna record the UFO. This will be the perfect complement for my documentation. And then I'm coming over. Break down the door with your baseball bat and take care. Wow, qu'est-ce qu'ils font, Henry, vache? Can you hear me?
m'a dit de passer par une grange. Ça doit être cette grange-là. C'est ça. Dessin agriculteur par Joe Parsons. Alien dans le champ de maïs. Je l'ai vu. J'ai vu ça hier. Tu dois le signaler à Brandon demain. Il s'est écrit une note. Je pense qu'il souffrait d'Alzheimer. Alors. C'est bien, hein. Je crois que je peux pas grimper là-dessus. Pourquoi il me demande de passer par la grange? Through the cornfield. I just need to get around the silo over there. Oh, je suis en train de me perdre. Là, je peux pas passer par là. C'est ça le silo à grains. Chez moi. Henri ? Thank God. Amy called them. Est-ce qu'il est le gosse ? Qui leur arrive.
Y a personne. Appartenant à l'officier de police. Incident, l'invasion extraterrestre attendue à Grey Hill le 11 mai 92. Top secret. Why is there a secret file of Grey Hill in a police car? It doesn't make any sense. Mais ils sont barrés où ? Je suis allé voir l'autre là. Il est où ? Je vais aller voir la soucoupe volante. Ah, il est là. Henry, they abducted him using some sort of ray or beam, right through the roof. And a squad car crashed back there. I think Amy called him, but the car's empty and the office is gone. Ryan, this is an absolute invasion. Do you know what that means? They'll abduct everyone in the village, humans, animals, and every little insect. They'll take samples of everything, making experiments of everyone. This is an extraterrestrial investigation. This can't be our end. I don't want to end up as an alien experiment victim. They already cleaned your house, so I don't think they're gonna come back. I've already started to board up your place. This will save us tonight. But Ryan, we have a little problem. I used up all the nails. This morning, I brought all my nails to the Creek family. Mr. Creek put them on the table in their house. You have to go get them. It's the first house on the left. I think he boarded it up. All right, I'll get them. You have to find a way in. We communicate by walkies from now on. Je peux rentrer chez toi ? Non. Je pourrais pas passer là-bas. Quick test, test, test. Can you hear me? Hello? Over. Yeah, I can hear you. By the way, I found a gun in that crashed squad car back there. Let's hope I don't Be have to use it. And sneak around. It's dangerous if they hear the shots and see you. Also, avoid using the flashlight. The Greys could see it immediately. And take note, it's important that they don't follow you into a house. If they do, we're screwed. If it becomes dangerous, hide in a car, a trash can, or something else. Yeah, great. Trash cans. Brandon would love to see that. Okay. Good luck, Ryan. I'm waiting for you. C'était pas cette maison là? Non. Il a dit la première maison sur la gauche. Ça, c'est la voiture accidentée. Oh bordel! Ça a l'air d'être ici, mais comment tu veux que je rentre? Forcément un moyen de rentrer dans cette maison.
Oh! Oh! Oh bordel! Je me suis pété dessus! Ah! Oh. Les clous sur la table. C'est quoi ça? Sonde d'alien. Oh. La table, les clous. Il me faut que je barricade ma maison. C'est les clous. Voilà. On a des balles. C'est tout. Oh bordel. Ah, il m'a attrapé, j'étais pas bien du tout là. Je vais éteindre la télé. Histoire de faire des économies d'électricité. Voilà, c'est bon. Salut Pierrot, comment ça va? MDR, EDF en force. Non mais là, le jeu, il fait flipper. Hein. Ah mince, la sortie, elle est où? Ah, c'est là. Faut que je retourne à ma maison. Comment ça va, Pierrot? En plus, l'écran, tu sais, sorte de boss. Bah, en gros, c'est un mode. Enfin, c'est un mode. C'est un mode fun footage, genre vieille caméra, vieux caméscope. Ah, vas-y. En gros... je crois qu'on doit être dans les années 60, 70. Et on est dans la ville de Grey Hill. Et il y a des extraterrestres. Là, il y a leur vaisseau. Et je viens d'en croiser un, je l'ai tué. Je lui ai mis deux balles. Il y a la police qui est venue, mais ils ont eu un accident et il n'y a plus personne dans le véhicule. Attends, ma maison, elle est où? Ah, en gros, tu t'es installé chez moi, mec. C'est bien. Ouais, là, c'est chez moi. Great, Ryan, you've got him. I've got some ammo. Ryan, are you there? Brandon, I'm here. Ouais, c'est stylé, c'est... Il y a un petit côté backroom. C'est bien. Brandon! Brandon! Brandon, hang on! I'm coming! Okay, Ryan. Go to Brandon. He needs your help. In the meantime, I'll try to get my caravan working. They disabled all the cars in Grey Hill. Et Brandon, il habite où? Il habite où, Brandon? Je peux prendre la hache? Non, toujours pas. Mais de base, les footage, c'est dans les jeux? Non, parce qu'il y a des films comme ça, il y a... Je pense à Blair Witch, le premier. Qui est en mode filmé en phone footage. Tu as Rec 1, Rec 2, des films d'horreur aussi. En phone footage aussi. Rec 3 peut-être. Brandon, il habite où? Active Google Maps. Si seulement. Mais je te jure, là, j'ai vu un extraterrestre. Il m'a fait flipper. Il est plus petit que moi, mais... Il a commencé à m'attraper.
Ça, c'est la grange. Peut-être qu'il est là-bas. Non, c'est pas ici, hein. Peut-être. Je suis pas sûr que Brandon habite ici. Non. Mon fils s'est fait enlever aussi. Ils ont enlevé mon fils. Non, je peux pas aller par là, donc chez Brandon, c'est pas par là. Bah, j'ai plus de stamina. Moi, je lui aurais fait un My name is John Cena. Ah non, j'ai sorti mon arbre. J'ai tiré comme j'ai pu. Il m'a chopé dans un premier temps. J'ai fait prout. Je me suis débattu et je lui ai tiré 2 balles, il est tombé au sol. Attends, je vais essayer de retourner à son cadavre. On peut aller par là? Je vais voir si on peut aller par là. Non, ils n'ont pas enlevé au bout d'un moment. C'est juste qu'il a... Tu vas chercher du lait. C'est pas plutôt ça. C'est Brandon. Attends, je vais retourner chez lui. Hello. Can anyone hear me? Hello. Please. Hello. I can hear you. My name's Ryan. Who is this? My name's Apone. Thank God you're here. I'm injured. Dans une grange. I'm trapped in a barn. Mon Dieu, c'est quoi cette odeur? What's that smell? Who are you? In which barn? There's tons of them. Bah, répondez. I'm not sure. I just woke up here. I can't remember what happened before that. You said your name is Ryan, right? I have to tell you something. The government, they know everything. They knew the invasion was happening here. They're gonna cover it up, like they always have. I'm sorry. I got here too late. Shit! Listen, Ryan, you have to get as much tinfoil as you can. At least 5 rolls. Hello. Hello. T'as pas eu un peu de difficulté à lire mon message? Bah, il a fallu déchiffrer. Mais ouais, tu peux faire un effort, s'il te plaît. Alors, l'extraterrestre que j'ai tué, il a disparu. Il a disparu. Bon, Brandon, je sais pas où est-ce qu'il est. Bon, la seule grange que je connais, où potentiellement il peut y avoir le policier, c'est fermé. C'est la grange qu'il y avait au début, hein. Faut que je sorte de là. Ah, je suis pas bien du tout. Il est allé chercher du lait lui aussi. Si seulement. Si c'était que ça. Est-ce que je peux passer par là? Ou va y avoir un mur invisible? Il y a des... Bon, je vais à la grange, je vais voir s'il y a le policier. Ouais. Faut faire tout le tour. On peut pas sauter. Et l'endurance remonte pas comme ça.
Moi, j'aurais été chaud d'aller directement dans la soucoupe, mais on peut pas y accéder. Bon. Il veut de l'aluminium avant. Je vais voir si je peux récupérer l'aluminium dans la caravane maintenant. Parce qu'il y a pas mal de chapeaux. Moi, c'est cette grange-là, hein. Je vais rentrer dans cette grange. En plus, il y a la voiture de police qui est juste là. Donc ça serait cohérent. Je peux pas le récupérer, là? Non. Là, il y a un maximum d'alu, hein. On peut pas. Il y a une entrée sur le côté. Quoi? Non, on peut pas passer. On peut pas ouvrir. Mais comment tu veux faire? Je comprends rien. Je ne comprends rien. Est barricadé. Là, on peut pas passer. Là non plus. C'est aberrant, hein. Est-ce qu'il faut que je passe par le champ pour revenir Je vais essayer de passer par le champ qu'il y a derrière chez moi. C'est pas évident, hein, à jouer. Parce qu'à chaque fois on passe par un passage, on veut repasser et non. C'est bloqué. Le travail a dû être monstrueux pour créer ce jeu. Ah, je sais pas, hein. Pas sûr. Là, je peux pas rentrer chez moi, alors que c'est chez moi. On va essayer de passer par le jardin. Je ne peux pas. C'est incompréhensible. Là, normalement, c'est barricadé, je peux pas passer. Non, je ne peux pas passer. Ah, donc, c'est pas là. Je vais essayer de voir si je peux passer par le champ maintenant. Parce que je ne pouvais pas passer par là. Non. C'est fermé. Passe derrière la maison du mec au Tokiwalki. Bah c'est ma maison. Et je peux pas. Il y a un mur invisible. Ça m'empêche de passer. Même là-bas, il y a un mur invisible. Il me reste que ces maisons-là. Et je peux pas sauter les obstacles non plus, donc... Là, je vois pas par où je peux passer, hein. Là, c'est barricadé. On a cette maison-là. Oh. C'est par là. Ah, j'ai mon arme. C'est quoi ça? Papier d'aluminium. Ok. Oh là, il s'est passé quelque chose là-dedans. Je vais essayer de rentrer dans la maison. Attends, il n'y avait pas quelqu'un dans une caravane? Oh!
Ah, c'est la galère. Il me reste qu'une balle. Ah bordel. Il me faudrait des balles. Et il m'en reste qu'une. Je regarde un petit peu partout. C'est verrouillé. Oh, on a du papier d'alu là encore. On récupère. Faut... Je revérifie bien s'il n'y a pas de l'alu qui reste un peu. Ça s'ouvre toujours pas. C'est une grange à côté? Non, c'est une maison. On va aller voir. Ouais, on a encore de l'alu. Faut récupérer un maximum d'aluminium. Ce qui m'embête, c'est Brandon. Ça se trouve, je confonds le mec qui est avec moi, enfin qui est chez moi, c'est Brandon. Et ça m'étonnerait puisqu'il m'a appelé. C'est bizarre. Il me faudrait des balles de revolver, s'il vous plaît. Ok. On a de l'alu, encore. C'est fermé. On est d'accord, il n'y a plus d'alu, hein. Ah, sans doute la seule fois de ta vie où tu vas être content de voir du papier d'alu. Mais ouais. Là, c'est... Moi, ça me fait flipper, hein. C'est pas... La mécanique, elle est pas... c'est pas du grand art, mais... l'ambiance, elle fait flipper. Vraiment un truc de zinzin. C'est bizarre ça. Bon allez. Je vais économiser un peu mon endurance. J'ai pas vérifié les jardins. Le jardin derrière. Toujours pas d'alu? Oh, je peux pas passer. Oh bordel, je me suis chié dessus. Ça m'a fait flipper. Attends, pause. Je suis super content car pour octobre, je fais un event loup-garou. Dès que je l'ai lancé, 4 inscrits. Oh! De loup-garou.
Il y avait un endroit, j'arrive pas à le retrouver pour sortir d'ici. La barrière, elle est fermée. Pourquoi la barrière, elle est fermée? Attends, on va essayer de passer par là. Par ici, ça peut être pas mal, hein. Ouais, nickel. Non! Je peux pas passer! Ah non, c'est frustrant, hein. C'est... Oh là là là. Comment je fais? Je dois peut-être continuer. Mais non, ça n'a aucun sens que je sois obligé de continuer. Ah, le caleçon en sueur, mais ouais! Et j'ai pas envie de m'enfoncer dans les bois non plus. Ah, c'est pas possible, comment je fais? Pourquoi la barrière, elle s'est refermée? Il y a une lumière ici. L'entrée était par là, hein. Punaise. Mais c'est chiant. Je suis sûr que je dois aller dans la forêt. Par contre, c'est moi où je suis tout seul de vivant sur le stream. Oh bah c'est possible, hein. C'est possible. Ma communauté Twitch n'est pas aussi grande que la commu YouTube. C'est normal. On est... Oh, j'ai pris un follower. Merci, je n'avais pas vu. Ça fait plaisir. Alors que sur YouTube, on est... On est plus de 300, quoi. Ok, c'est bloqué, hein. C'est bloqué, je peux pas passer. Le seul endroit qui était accessible, c'est là où j'ai vu l'extraterrestre et je me suis barré. Oh, salut, Captain. Comment ça va, Monsieur Zitos? Depuis le temps. Tu dois être bien occupé, hein. Parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live. Comment il va? Comment il va? J'ai pas envie d'y retourner. Mais je crois que j'ai pas le choix. Ça va et toi? Ça va pas? Je suis en train de faire dans mon froc. Comment je fais? On va essayer de le contourner. Je sais pas si je peux continuer. Bah écoute, ça va nickel. Ah bah tant mieux. Oui, j'avais pas mal de boulot depuis la semaine dernière. J'ai repris avant-hier. Oh! J'essaierai de passer pendant un de tes lives. Tu joues à quoi en ce moment?
Oh, je vois une lumière là-bas. Non, c'est pas le moment de chier. Oh, on a le papier d'alu. Ok. En gros, j'ai pas récupéré tout le papier d'alu. Là, c'est le diner. Where's Amy? Il me faut des balles. She should be here. Dans un diner, il y a toujours des balles, non? J'ai besoin de faire une pause. Je suis sur Subnautica. J'attends la sortie de Sparking Zero et après, j'aurai plus de vie. Sparking Zero? Ah, je connais Subnautica, je connais, mais Sparking Zero, je connais pas. Bon, j'irai voir un peu ce que c'est. Ça parle de quoi un peu? Subnautica. Ah, c'est un bon jeu, Subnautica. Très très bon jeu. J'ai pas fait le 2. On est dans un diner et il n'y a pas une seule balle. C'est Dragon Ball. Oh, je vois. Moi, le dernier Dragon Ball que j'ai fait, je crois que c'est Xenoverse 2. Et après, j'ai lâché l'affaire. Nous sommes dans la grange en face du restaurant. Amy. Ok, j'arrive, Amy. C'est aberrant, hein, un diner sans munitions. On va regarder s'il y a quelque chose dans la voiture. Je suis beau, moi, avec une seule balle. J'ai commencé le 2, mais j'ai vite arrêté. Bah après, je trouve les Dragon Ball, c'est assez répétitif, quoi. Tu fais souvent bah l'histoire de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Bonjour mademoiselle. God, you're here. Are you okay? Ça va. No, nothing is okay. Mais non, ça va. Abducted Henry. I have to find a way inside that UFO. C'est rien, notre fils a juste disparu, c'est rien. C'est pas bien grave. We'll help you, Ryan. The cars don't drive anymore, but maybe this old biplane does. We could use the biplane to get near the UFO. That seems like a long shot. But I guess it's prendre le biplan là. But even if we do get close, how the hell are we gonna get inside of that thing? I don't know. Maybe Matt has a solution for that. He is on the farm to get some stuff. Can you tell him that the biplane is almost repaired? All right. And by the way, that officer you called? They got him. They imprisoned him in a barn somewhere around town. I also found some odd documents about Greyhill in a squad car. I never call the police. Brandon forbid that. Yeah? But I thought you don't listen to our chief. Usually I don't listen to him. This time I did. But who called him then? I don't know. I'll go talk to Matt now. J'ai du mal avec les prénoms, hein. Ryan, we'll find a solution to rescue Henry. Ouais, c'est ça. On va trouver une solution. Moi, ça me dérange pas. Hein. Il y a une bouche en moins à nourrir. Il y a pas des petites balles, là? Matt, is that you? Matt?
Ouvre-moi! Ouvrez-moi, bordel! Non, mais c'est quoi ce délire? Non, mais c'est aberrant de fermer les portes comme ça. Oh là là. Bah là, ça va être fou furieux. En plus, il y a un mode what if. Du coup, ça va être très cool. Mais c'est surtout le côté combat multi qui va être ultra intéressant. Après, à voir. Hein. Je suis là, tu dates, Stoon. Qu'est-ce que tu racontes, mon Pierrot? C'est fermé. Il faut que je trouve... Attends. Je dois trouver la clé. Est-ce qu'elle est cette foutue clé? C'est quoi cette petite maison? Peut-être dans la voiture la clé, non? Ah oui! Ça c'est de la clé, hein. Fermer la porte, j'ai pas confiance. Oh, on a un coffre. Hello? Hello? Help! Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Matt, what are you doing in there? Aliens came and I hid in the safe and. C'est quoi le but de ton jeu du coup? Alors, en gros, je crois que c'est dans les années 60, c'est après les événements de Roswell, on se trouve dans la ville de Grey Hill. Et les extraterrestres débarquent, les petits gris débarquent et enlèvent des gens, font des expériences. Et nous on est là, notre fils il s'est fait enlever. Donc je pense que le but c'est un peu de le retrouver. Et à côté il y a plein de choses à faire comme là. Secourir Matt qui est enfermé dans un coffre-fort. Mais c'est un jeu qui est axé horreur. Et moi, il me fait flipper. Quand tu vois les petits gris là qui sortent de la forêt ou qui te chopent comme ça, tu sais pas ce qu'ils vont te faire. Surtout que j'ai vu des espèces de trucs, des sondes qui ressemblent à des dildos. Donc c'est plutôt moyen. Hein. C'est plutôt moyen, j'ai pas trop envie de me faire choper. Oh shit! Okay. Et ouais, c'est un genre de survival horreur. I'll look for it, so just hang on. T'es sorti en 2023. Ryan, you don't think that they, you know, probe us when we become what? Abducted? I don't know, man. They abducted Henry. I'm trying not to think about that right now. Just hang on and let me get you out of there. Oh, Ryan. We'll help you. Please, please look for the code. Cherche le code, mais assure-toi. But make sure the Greys don't follow you into this room. Otherwise, you have to lure them away. Mais tu peux pas me le donner le code, c'est ton coffre. Je suis obligé de... juste, tu dis pas le droit de spam, mais si on est un perroquet, on a le droit. Mais j'en suis un, alors j'ai le droit. Ne joue pas à ça, Pierrot. Ne joue pas à ça. Tu sais pourquoi? Parce que si tu joues, je gagne. Je gagne, je peux supprimer tes messages, je peux te ban, je peux faire plein de choses. Je suis le maître des jeux. Donc ne joue pas trop. On a un petit gris là-bas. Il est en train de scanner. J'y vais pas. Mais où est-ce que tu veux que je trouve son foutu mot de passe? Certificat de Joe Parsons gagnant de la course de biplan de Grey Hill. Bah, on a à peu près la date, hein, 1969. Ça pourrait être un bon numéro. Essayons le 1969. Ok. Ok, ok.
On va essayer ça, 1969. Ok. Je suis sûr qu'il va y avoir un extraterrestre dedans pour me faire chier. Non. Ça se trouve, c'est même pas 1969, hein. Ça serait trop facile. Oh non, c'est bon. Ok. All right. I'm gonna go talk to Amy about our plan to rescue your son. Me ban Def est là. And bring it to the barn gate. Yeah, I'll go find one. You just better have that plane ready. Pourquoi tu te mets pas debout? C'est bête de rester comme ça. Je vais voir si je dois retourner voir Amy aussi. On a une barrière. Je crois que l'extraterrestre, il est plus là. Je peux partir? Non. Je ne peux pas partir. On va aller voir... C'est une église, ça? Je peux pas sortir. Oh mais c'est aberrant. Hein. Je vais suivre la petite lumière parce que généralement... C'est ce que je recherche. Ok, let's bring it to the barn door. Ok, je retourne à la grange. On a le kérosène. J'entends un bruit bizarre. C'est en train de scanner dans la maison, j'y vais même pas. Ryan! Ryan, can you hear me? Je vous entends. Huh? Apollo! Et de toute façon, à tes 90, tu meurs. Alors pourquoi pas mourir là? En plus, ce serait unique de mourir à cause d'un extraterrestre. They cut me. Oh non. Bad. I got away before they could finish. They put something in me. It's cold to the touch. Some kind of metal, maybe. I'm almost at the church. Can you see it? Meet me inside. We need to talk about next steps. All right, I'll be right there. Là, je peux. Là, on ramasse le kérosène, on devrait retourner vers l'avion, mais là, ça nous fait avancer. Ferme-toi. And I look. And behold, je regardais, et voici, il vint a great cloud with a fire une grosse nuée, and a brightness round about it, and out of the mist thereof, as if it were glowing metal, out of the mist of the fire,
and out of the mist thereof came the likeness of four living creatures. And this was their appearance. They had the likeness of a man, Father, and everyone Father, bien, tu Ryan, fais un nouveau gosse, et c'est bouclé. Ouais, mais faut que je m'enfuis. Did you see c'est pas dans le script. His name is Apone. Si c'était aussi simple, je me serais tiré, j'aurais pris ma voiture, and je me serais barré. He can secure you from the angels of God? Father, those aren't angels. This bah, is an ouais. alien invasion. They abducted c'est de my fou, son c'est and une invasion. Who knows what they're doing to him? Ils vont sonder mon gosse. Ryan, he is in God's hands. What do you think when I give that the angels take me? Bah casse-toi. Your son is blessed. It begins. Je vais vous tuer. Now. Retirez ce que vous avez dit. Father. Ils l'ont enlevé. Je vais voir s'il y a une arme. C'est verrouillé. Je vais On sort. Bah, mon père. Qu'est-ce que c'est que ça? On se fait plaisir, mon père. Ah, s'y crois pas, le gros vicelard. Bon. Comment on fait? C'est fermé. On peut pas récupérer le chapelet. Bon, ben on va se barrer. Je vois pas par où je peux sortir. Je peux pas sortir. C'est quoi ça? On va jouer du piano, non? Peut-être qu'il y a quelque chose dans les Saintes Écritures. Aïe aïe aïe. Punaise, mais c'est pas possible. Je peux pas sortir par... Ça s'ouvre. On peut pas passer. Je vois rien qui pourrait me m'aider à faire quelque chose. Je vais réessayer d'ouvrir ça. On peut toujours pas. Quelque chose m'échappe. Mais quoi? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. C'est fermé. Impossible. Oh, j'ai une idée. Non. L'idée tombe à l'eau. Prendre la Sainte Croix, non? Je regarde si je peux interférer avec le poster, mais non. Et comment tu veux que je sorte de là? Là, il y a un carton bizarre. Je peux rien faire avec. On a une porte là. On ne peut pas ouvrir. Là, je ne peux rien faire ici. Non. Bah alors là,
Alors là... Je ne sais pas trop quoi en penser, hein. Je me suis bloqué. Je me suis bloqué. Non mais comment je sors de là? Oh! Oh bordel! C'est bon. J'ai trouvé. Voilà, on a une clé. Bonsoir mademoiselle. Oh, le policier. Ryan, glad to finally meet you. Listen, these motherfuckers, they probed me. Ils vous ont sondé? I can't help you anymore. Comment ça, monsieur, ils vous ont sondé? Here's the number, the man who sent me here. Take it. 555-0. Okay. You took my son. Do you know how to get him back? Call the number. He'll know what to do. He'll... D'accord. Help you find your son. Help you stop this invasion. He's done this before. Mais pourquoi moi? Don't call anybody else. Not the police. Not the government. Pourquoi? They won't help you. Not unless you want to end up in the psych ward if you survive all this. Only trust the man on this number. Comment ils ont fait pour vous sonder? I never thought I'd die in a goddamn graveyard. Appone! La vieille mort. God damn it. Je me pose la question. Est-ce qu'il a été sondé avec ça? Ça serait étonnant, hein. Je comprendrais pourquoi il meurt. Moi, je rejoins la petite lumière. Un petit portail. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est barricadé, hein. Ah non, on peut rentrer. Oh, des balles! On recharge. Une balle encore. On n'a pas de sortie arrière. On va aller voir dans la maison.
Si on peut trouver encore des balles. C'est bon, il s'en va. Oh bordel! Oh! Une vraie sonde alien! Non mais c'est des vicieux ces aliens! Zéro balle. Et voilà. Zéro balle. Oh bordel! Vive l'Amérique! Ouais, vive l'Amérique! Oh oui, vive l'Amérique! C'est pas assez pour tuer un alien. Mais c'est toujours ça. Il me faut des balles. Au moins une, que je puisse tuer un alien au cas où. Comme dans South Park, il pose des sondes anal... Mais oui! Mais c'est pour... C'est pour ça que le flic, tout à l'heure, il est mort dans le cimetière. Hein. À mon avis, il a dû se prendre l'espèce de grosse barre, là, la grosse sonde. Il a... Hein? Il l'a pris dans le fondement. Moi, au début, je croyais que c'était une torche. que je pouvais ramasser, mais non, c'est une grosse sonde. Pourquoi je dois venir ici? Je comprends pas. Je viens d'où? Faut,
Faut vraiment que je fasse gaffe à ma stamina. Je sais pas par où je dois aller. Ok, d'accord. On a un mur là-bas. D'accord, je vois, c'est une route en Y. Il y a une voie à droite, une voie à gauche. Grey Hill. D'accord, là j'étais en train de partir de Grey Hill en vérité. Il y a une lumière là-bas, je dois y aller. Je dois aller voir, faut que j'évite. J'ai pas envie de me faire sonder. Ouais, c'est forcément là-bas. C'est chaud, hein. Allez, ouvre-toi. Circuit imprimé, carte de circuit imprimé de télécommunication. Hey, this actually might work. Je suis repassé par là. Hein. J'ai l'impression que je suis de retour par chez moi. Je crois, hein. Pas sûr. Je devrais peut-être faire demi-tour. C'est pas par là. Attends, j'ai récupéré le circuit imprimé. Oh, il y a un extraterrestre là-bas. Il y a la soucoupe. Mais c'est par chez moi ici, non? Non, tu vas me dire, il y a plusieurs soucoupes. C'est pas bon du tout. Peut-être que je peux passer par là-bas. Dis-moi que ça souffle, s'il te plaît. Ça s'ouvre pas, c'est pas par là. J'ai envie de retourner où est-ce que j'étais et voir si je peux continuer. On va aller voir. Parce que là, c'est trop bête. Hein. On a la cabane là. On a récupéré ce dont on avait besoin. Oh, ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Je peux plus courir. Oh, il bombarde. On va se dépêcher. There. That should about do it. Now time to call this mystery man. Ok, maintenant... Comment je fais pour l'appeler ? Non, c'est pas avec un toki que ça va fonctionner. C'est bon. Je vais passer par la route. Peut-être que je peux y accéder maintenant. Franchement, je pense, hein. Il y a des extraterrestres qui veulent me sonder. Vu que... Oh le bâtard. Oh, on va se tirer par là. J'allais dire une connerie, je me retiens. J'étais en train de me dire, c'est moi qui vais les choper et qui vais les sonder. Mais là, ils me font flipper, donc...
Peut-être que je peux passer par là. Toujours pas. On va voir, je vais retourner vers l'église. Parce que là, on n'a rien concrètement, on avait les balles. Là, je pense, vaut mieux que je retourne vers l'église. Parce que je vois pas d'autres passages. Là, normalement, je pourrais pas l'ouvrir. Ok. Donc, c'est bien ça. C'est pas ça du tout. Il y a un truc que je loupe. Oh, je peux l'appeler d'une maison peut-être. Faut que je trouve une maison avec un téléphone. 555-0-199. Tiens, on a un téléphone là. Please pick up the phone. Allez, décroche. Yeah. Hey, my name's Ryan. I'm calling from Greyhill. Your friend Dupone gave me this number. He's dead. I'm sorry. He told me that he came too late and that I should call this number. Dupone is dead? Ryan, did he tell you about using tinfoil? And if so, do you have enough? Bah normalement oui, hein, vu ce que j'ai ramassé. Yeah, I got it. Listen, they took my son. He's on board one of those fucking ships. Hone said you can help me. Yeah, I can. Now listen to me and do what I tell you. Wrap your entire body in the tinfoil. Completely cover yourself head to toe and let them abduct you. I know this sounds crazy, but if you want your son back, you have to trust me. Seriously? Mais je vais me faire sonder. Yes. J'ai pas envie. Ryan, trust me. Who exactly c'est là le mec que je le rappelle, il fait, tu t'es fait sonder. How do you know ouais. This works? Punaise, faut que je m'enveloppe. This is the most stupid thing I've ever done. All right, that's it. Allez, on se fait enlever. Oh, yes. They got the plane working. But the guy on the phone said his plan won't work. I have to warn them. Amy, can you hear me? Matt, can you hear me? Ah, fuck. I'll try it again later. Trouve un chemin vers le champ. Where's the plane? I don't hear them anymore. Il y en avait un dans le coin là, un chemin vers le champ, non? On va longer la barrière. Attends, je vais faire attention à ma stam. J'étais persuadé qu'il y avait une barrière. Si on a une barrière. Voilà. Tac. Oh, what? Jesus Christ. It's a goddamn UFO parking lot. Oh, tout ce qu'il y a en ovni. Have to go around them. Le mec, il est entouré de papier d'alu. Il est avec un revolver avec une seule balle.
Ouais. Je t'entends. Hey, is everything okay? Yeah, I'm good. But something is wrong with Amy and Matt. They started the biplane to rescue Henry, but I don't know where they are, and I can't hear the plane anymore. They might have been taken by those things. Hey, where are you? What's your plan? I'm pretty close to Brandon's house. This detour took way longer than expected. I hope he's okay. I don't have time to explain everything, but this cop I met, they got him. He's dead. Oh my god. No. He was Ryan. Sent to warn us by a mysterious man, who I contacted. And he told me the only way to rescue Henry is to dress up in tinfoil and let them abduct me. I know. It sounds crazy, but if it's the only shot I have to get Henry back, I have to try. Yes! That could work! Well, at least to avoid them going into your brain. I'll guide you once you're in it. Sounds good. Make sure you get your van up and running. Once I get Henry, we'll drive out and meet with the mysterious man. He can help us figure this all out. Wait, Bob. That sounds like Amy's walkie. That's Amy! Amy! Amy, are you there? Amy! I can't hear you! Can you hear me? Henry! I'm coming for you! God damn it! Fuck! No! Please, no! God! You crazy bastard! Get your fucking fingers out of my dirty ass! Was that Brandon? The fuck are they doing to him? They think they're all on the same ship. What in the hell should I do now? Je comprends rien. Attends. Attendez, faut que je voie si je peux sortir. Là, je vois rien d'ouvert, hein. Non, c'est pas où. Le bidon de kérosène. Là, on n'a rien qui est ouvert. Cette maison, j'ai déjà vérifié. Là, je viens de là. Si c'est ouvert, c'est pour une raison. Hein. C'est forcément pour une raison. On va continuer tout droit. Peut-être que je peux ouvrir cette porte maintenant. Ah, elle est ouverte. On va essayer de repasser par là. Je vais essayer de revenir chez moi. On va voir si la barrière elle est réouverte. Il y a un extraterrestre dans la maison en train de scanner, je l'ai entendu. Je me fais enlever. Ouais, je me fais enlever, hein.
Ouais, je vais me faire enlever. Je crois qu'il était dans la maison. Oh, ça va faire bizarre de se faire enlever. J'en avais tout à l'heure, maintenant j'en ai plus. Ah bordel. On peut pas accéder à la... Si, on peut réaccéder à la grange normalement. Non, elle est fermée. Ah si, c'est ouvert. Il s'était pas envolé ? Bah, qu'est-ce que c'est que ce bin, ça ? Je suis pas fou, j'ai vu un avion s'envoler. Donc là, je peux pas repasser, hein. Tout est bloqué, faut que je... Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. On va essayer de retrouver un extraterrestre. Fermé. C'est bizarre, hein, plus un extraterrestre pour l'instant. Là, c'est là où j'ai trouvé le bidon tout à l'heure d'essence. Je vais essayer de voir s'il y a une ouverture, mais ça m'étonnerait. Bon. Allez, c'est parti pour l'enlèvement. Normalement, il devrait y en avoir un ici. J'essaie de repasser par la route. Maybe I should turn around. Je vais essayer de courir dans la forêt. Faut que je me fasse enlever, hein, de toute manière. Il y a...
Pour l'instant, j'en vois pas d'extraterrestres, hein, c'est aberrant. Tout à l'heure, quand j'ai couru dans les bois comme ça, il y en a un, il est sorti de nulle part. Oh, non. Où est-ce qu'ils sont passés? Il y en avait un, il était derrière mes fesses ici. Oh, personne. Ça, c'est la grosse sonde. Il y a un truc derrière la maison. Oh, les extraterrestres, vous êtes où? Enlevez-moi! Sondez-moi! Je ne demande que ça! Oh, bordel! Non, mais il n'y a plus personne! Bon, je vais repasser par là, parce que de base c'était par là, et peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, hein. Non. C'est ouvert depuis tout à l'heure, j'y crois pas. C'est fermé. Ouais, il y a une lumière là. Je pense pas que je puisse rentrer là. This is Mr. LaFletch's house. What was his name again? Matthew, are you here? That was Brandon's kid. She's still in the house. Ah, j'ai plus d'énergie. C'est la maison là-dedans? Ici?
On va faire le tour. I need to find something to break this door. C'est pas un cri, c'est la c'est la balançoire qui queen. Je me dis, il y a un cri de loin. Je peux pas aller par là-bas. Bon, il y a un truc à faire ici. On n'a rien dans la voiture. Ah, le jeu est pas évident. Hein. Il est pas évident du tout. Après, il est bien. Je peux pas aller là-bas. D'accord. Je ne sais pas dans quelle maison aller. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dildo, c'est une sonde. Il est en train de tous les tuer. Il n'y avait pas d'extraterrestres comme ça à Terre, hein, tout à l'heure. Je vais checker la caravane au cas où. Non. J'ai regardé l'arrière de cette maison. Je suis pas sûr, hein. On peut pas rentrer. On peut pas rentrer. Là, on a les soucoupes. Bon, je peux pas rentrer dans les maisons. Moi, je vais aller par là. Je sais pas s'il y a un passage. Non. Je ne peux pas escalader la barrière. Je ne peux pas aller là-bas. On a un extraterrestre mort. On peut pas rentrer dans les maisons là-bas. Je vais vérifier, mais normalement ces barrières, je peux pas les casser. Les barrières là. Je pense pas que je puisse les casser. Non. Non. Je vais revérifier si je peux pas ouvrir celle-ci. Non. Sûr, il y a moyen de les visiter, hein. Là, on peut pas passer. Petite vérification. Non. Ah, alors. Je suis perdu, hein. De fou. La flèche. C'est là la flèche.
Bon, là, c'est toujours la même chose. Je peux pas aller à droite. C'est bloqué. Donc, je ne peux pas accéder à ça. Il reste que cette maison là, hein. Et c'est fermé. Ils sont pas morts tout seuls tout de même. Find something to break this door. Ok, mais c'était bien là. Faut que je trouve quelque chose pour casser la porte. Ah. Voilà. On a ce qu'il faut pour casser la porte. Salut, gamine. Ryan, what are you wearing? Oh man, I'm so glad they didn't get you. Où est-ce qu'ils sont tes parents? Under my bed, but they got daddy. Ah ouais? Yeah, I know. Shit. Bon petite, on va faire une chose. On perdit que le gouvernement ment sur tout. Well, he's right, but don't worry though, I'll protect you. I have to get on that saucer to save him, so I'll bring you to Bob, okay? He can watch after you until I come you back with your dad. You can't protect me? My dad says you're a weakling, and you can't protect anybody. Oh, le bâtard. Son père, c'est un salaud. Marriage. Well, I know he's your dad, but don't believe everything he says. And besides, I killed a few of those aliens on the way over here. And your dad's the one stuck on the ship. Bon. What? Where is your son? Tu poses trop de questions, gamine. They got him too. Ryan, that sounds like a car. What? They must be driving through town stopping for gas or something. Hey, you weren't in Vietnam like my dad was. Oui, bien sûr, j'étais au Vietnam avec ton père. Non ? Ok. Attends, gamine. Je prends les balles de ton père. On va vérifier la fenêtre. God bless you. Huh? Rachel, no, where are you going? Stay. Allez où la gamine? What the fuck is going on with this kid? And what the hell is Brandon teaching his daughter? Ah bah qu'elle crève hein, c'est pas ma gamine hein, je m'en fous. On va voir si on peut aller dans la station là. On peut y aller maintenant.
On a la voiture. Non. They got him. J'arrive. Rachel! Oh bordel. J'ai pas envie d'y aller. On peut rentrer là-dedans ou pas? Non, punaise. C'est pas ma gamine. Oh, c'est mon chien. Max, is that you? J'arrive, petite. J'arrive. Petite. Où est-ce que t'es? T'es où? Oh punaise, elle est où? Here. Elle est où? I should probably get an alien before I open it. Il doit me capturer de toute manière. Enlever, c'est bon. Bah quoi, faut pas que je me fasse enlever? Mais je comprends pas, moi. Essayez à nouveau. Moi, j'ai laissé. Ah, bordel. Je me suis chié dessus. C'est bizarre, il n'y a pas la voiture. Max, is that you? Ça a aucun foutu sens. That is it. Let them take me. Oh, Rachel, she's still here. Je longe les murs.
Oh, j'ai cru que c'était une porte. C'est la maison de la gamine, ça. Je peux pas y retourner? Je tourne au silo, hein. On peut pas grimper. J'ai la petite poupée. Là, je ne peux pas y accéder. Mais normalement, je dois me laisser embarquer, hein. Ok, c'est qu'il fallait que je tue l'extraterrestre pour sortir de là. Looks like the light from the shed. Ryan! Ryan, are you here? Ryan! Ouais, oui, c'est moi, oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Yeah, Bob! A few of them greeted me some minutes ago, while I was out working on the caravan. Yeah, after taking a photo shoot, I asked them if they wanted to have some coke, but... Bob, it's okay. All good. I got it. Just joking! I imprisoned one in the bedroom, and I put a tinfoil hat on him. I'm gonna make some experiments, but I won't probe him. Bob, I swear. Please stop. Maybe sell him on the black. We got Brandon's daughter, so I'm a little busy. Le mec, c'est un taré, Bob. I found a solution to make the caravan work. It'll take me a few minutes. Il veut faire des expériences sur un extraterrestre qu'il a capturé. C'est ouf. It'll be our chance to get out of this town. I have to save Rachel first. She's trapped in the barn by the gas station. I'm going to get her, then we can make grange, a plan ça? To save Henry. Yes, Ryan. We have to be fast with Henry. God, I hope they didn't start drilling into his teeth. Bob, can you not say shit like that? I don't even want to think about it. I heard Brandon causing trouble for them on the saucer through Amy's walkie. I think they're all on the same ship. That's good. Okie doke, bye, Ryan. Jesus Christ. Allez, on va aller voir dans la grange. Il me reste qu'une balle. Rachel is in there. Why the hell did they use a bike chain to lock the gate? It's crazy. Gonna have to find some bolt cutters or something to get through there. Why can't anything ever go smoothly?
Il y a un truc derrière moi. Dégage! Dégage! C'est qui? C'est E.T. Oh! Oh, j'ai plus de stam. Oh le bâtard! Ah oh oh l'enfoiré. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? C'est des extraterrestres? Ah, il m'a vu. Rachel! Allez là! Rachel, je suis là! Rachel, I'm here. Come with me if you want to believe. Il est où? Glad you're here. And the caravan's working. I'm gonna put Rachel in your bedroom. Bob, seriously. You imprisoned. Allez mec, on y va! I told you I did it, dude. Just lay her on the carpet. But again, I didn't probe him. Didn't probe him. Just put a tinfoil hat on him. Ha ha. So funny, Bob. Voilà. I think he's one of their dentists, not one of their butt drillers. That doesn't sound good, Bob. Il y a un alien qui est enfermé à l'arrière de la du camping-car. I need to get it to abduct me. It's my only shot at getting Henry back. Drive to Nevada and take Rachel with you. I think that's where our mysterious friend is. I'm gonna work with your mysterious friend together, Ryan, to bring all this to the public. Je vais me faire enlever. All right. Ça pousse the fort, hein. Ouais, ça pousse à mort. 0199. Call him as soon as possible. And Bob, all right, I gotta go. Thank you. Stay safe. Hey, Ryan, you know, you were the only one who didn't think I was crazy. Mais de rien. Thanks for that, man. I love you. Allez, je dois. Quoi? J'irai pas jusque là. Je ne vous aime pas, monsieur. Enfin, je. Vous êtes un simple voisin. Je me fais enlever. Je suis en train de me faire enlever. Et puisse son âme par l'avenir faire cette douce femme et cet humble homme, le couple le plus protecteur. Qu'est-ce que tu racontes? Oh bordel. Is it working? Henry? Henry? All right, see ya.
Yep. Things seem to have worked out pretty good for Rachel and me. I hate that we don't know what happened to the UFO to Ryan and the others, but... Well, after Ryan was abducted, his dog Max came along, and together we're now on our way to meet this mysterious man. I mean, that was the Greyhill incident. Time for a new book, yeah? God, I hope I'll find a publisher this time. Ah, look at me. Rambling again. Well, I hope you folks enjoyed yourself. Catch you on later down the road. Hey, Rachel, what was your favorite part about the story of Greyhill? Bob? Who were you just talking to?